Qu'est-ce que donc un DMC? Un DMC, tu veux parler d'un Funitel. Oui, alors Funitel, DMC. Que des noms spécifiques. C'est très particulier, c'est une remontée mécanique. Regardez à quoi elle ressemble. Elle est extrêmement moderne et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise le parc de remontée mécanique de Val Thorens. Alors, on appelle ça DMC, double monocoque, ce qui, entre nous, Laurent, ne veut pas dire grand-chose. Double monocoque. C'est simplement parce qu'il y a deux câbles qui soutiennent la cabine au lieu d'un. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, être beaucoup plus stable en cas de vent. Et comme Val Thorens, ça tombe pas mieux, hein, oui. quand il y a du vent, effectivement. Et comme Val Thorens est situé au centre du domaine des Trois-Vallées, eh bien, il faut assurer la liaison pour rentrer sur Méribel, Courchevel ou les Menuires ou même sur la vallée de la Maurienne. Donc, il a fallu inventer des remontées mécaniques et implanter des remontées mécaniques très performantes. Et puis, regardez, les pylônes ici, ils sont peints en blanc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette altitude, 2300 mètres, je le rappelle, il y a plus souvent de la neige que pas de neige. Donc, ils se fondent dans le paysage. Et quand on regarde le panorama, eh bien, on n'a pas l'impression de les voir, ces remontées mécaniques. C'est très particulier, il y a un parc de remontées mécaniques exceptionnel ici, Laurent, une trentaine de remontées. Ouais. Pourquoi? Parce que la société qui les exploite est privée et n'exploite que celle de remontées, que celle de Val Thorens. Donc elle réinvestit ses bénéfices dans le parc, c'est pour ça que c'est très moderne et très efficace. Merci de ces précisions, vous savez maintenant ce qu'est un Funitel et un DMC double monocable, comme vous l'avez compris.